m'appelle Martha et je viens d'Espagne, des îles Canaries. Je fais un service civique à Concordia. C'est une association qui organise des opportunités de volontariat et de mobilité internationale. Après ma licence, je ne savais pas trop quoi faire avec ma vie. J'ai fait une licence en relations internationales. Je ne savais pas trop si je devais trouver un travail ou faire plutôt un volontariat. Je suis allée avec ma coloc à Marseille, mais c'était de la grève des gilets jaunes. Donc c'était un peu compliqué de revenir à Lyon. On a eu un retard de presque 2 heures pour le bus de Lyon. C'était déjà presque minuit et demi. Il faisait hyper froid à la gare et le bus n'arrivait pas. Alors c'était un peu compliqué parce qu'on ne savait pas trop qu'est-ce qui s'est passé et tout. Mais bon, c'est la France et les grèves, c'est comme ça. C'était justement ce voyage-là que je fais avec ma colocataire. Elle vient de Russie, alors c'est une très belle expérience de faire des voyages avec quelqu'un qui vient d'autres pays. C'était une aventure parce qu'on a fait 4 villes dans 3 jours. On a fait Montpellier, Marseille, Nîmes, Avignon et Lyon. Ça m'apporte beaucoup de choses. Il n'y a pas un seul jour où je n'apprends quelque chose de nouveau. Le fait de rencontrer des gens de tout le monde, d'autres services civiques, d'autres volontaires qui font leurs projets dans le cadre du corps européen de solidarité, ça me permet d'avoir des visions vraiment très différentes. Une fois, j'ai organisé une soirée crêpe avec mon organisation, les salariés et les bénévoles de Concordia. Et je me suis rendu compte à quel point les Français sont-ils fiers de la cuisine française. Alors j'essayais de faire des crêpes, mais la pâte était vraiment très épaisse. Et alors il y a eu un bénévole qui s'est approché, il m'a dit « on ne fait pas les crêpes comme ça, il faut ajouter de l'eau ». Et finalement, la pâte était vraiment très très liquide et je ne savais pas que les crêpes étaient comme ça. Mais après, il m'a montré comment les faire et les crêpes étaient tout parfaites et tout. J'ai essayé l'andouillette et je n'ai pas aimé du tout. Désolée les Lyonnais, mais je n'ai pas aimé du tout. Enfin, j'ai trouvé ça très bizarre, surtout la texture.